Bonjour à tous et bienvenue, c'est Antoine sur canalturf.com. Très heureux de vous retrouver pour cette rubrique 100% pro. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver des vidéos en direct des hippodromes de différents professionnels. C'était le cas ce vendredi avec Philippe Lacroix et Alexandre Fracas qui se sont prêtés au jeu. On les remercie encore une fois. Et puis des jockeys comme Fabien Lefebvre et Tristan Normand qui ont brillé également hier. Alors ce samedi 27 mars, on se retrouve sur l'hippodrome de Strasbourg. Je vous rappelle que vous avez déjà des éléments d'information grâce aux interviews de Stéphane Dévy sur la rubrique radio. En tout cas, là, on va parler des dernières minutes. Sachez qu'on est quand même confiant avec le 101 Alpe d'Auloise. C'est un élément entraîné par Corinne Barbe. Il faut savoir que son propriétaire affiche un bel optimisme. Sa jument est actuellement au mieux. Elle reste sur 2 succès et une 5e place. Le lot n'a rien d'exceptionnel. On fera donc le déplacement en région strasbourgeoise avec de légitimes ambition. Notez que l'élément est resté au mieux le matin. Concernant la 3e course du programme, vous ferez attention au 303 City Way. C'est un poulain qu'estime Daniel Allard. D'ailleurs, il s'est imposé dès ses débuts. C'était au Mans. Il faut savoir que ce jour-là, David Breu m'avait confié en descendant de cheval qu'il avait un élément prometteur entre les mains. Alors de là à dire que c'est un crack, c'est un bien grand mot. Il faut que le cheval continue à progresser. Mais c'est en tout cas un cheval qui ira gagner son avoine. C'est ce qu'il va tenter de faire en région strasbourgeoise ce samedi. Là encore, l'opposition, sans la minimiser, semble à sa portée. Donc, si tout se passe bien, il y a une confirmation. Notez que ce sera le seul partant de l'écurie. Et puis, on va terminer avec le 805 Si Amen, une jument qu'on connaît bien, qu'on a vu courir notamment au niveau Quintet Plus. Elle est l'auteur d'une bonne 3e place en dernier lieu. Elle a fait vraiment illusion pour la victoire. Son mentor, Jess Paris, l'adore. C'est vrai que maintenant, elle est revenue compétitive dans les handicaps, dans une zone de poids qui l'autorise à jouer un tout premier rôle. Elle est chez elle, elle est prête et elle sera bien sûr l'une des protagonistes pour la victoire. Voilà, on a fait le tour pour les dernières minutes de Strasbourg. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver d'autres vidéos pour dimanche. Alors, pour ceux que ça intéresse, on ira à Lisieux, on ira à Cholet, également à Machecoul, avec des jockeys qui feront le déplacement avec des ambitions. Et puis, on se retrouve également pour cette actualité riche en événements. Ce samedi, on ira à Dubaï pour en point de mire, la Dubai World Cup. Je vous retrouve donc sur la rubrique des courses internationales. En attendant, faites de très bons jeux et à très bientôt ensemble sur canalturf.com.